Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un livre parmi les livres indispensables à avoir pour passer un bon mois de Ramadan. Pourquoi cela? Tout simplement car ce mois de Ramadan va être bien différent de celui des autres années. Étant donné que nous sommes confinés, nous n'aurons pas la possibilité de nous regrouper comme chaque année dans les mosquées afin donc d'étudier les règles du jeûne, les mérites du jeûne, d'avoir des rappels quotidiens, de pouvoir prier la prière de Tarawih en groupe. Et ainsi, il va nous falloir donc trouver une manière de faire ce rappel en famille. Et c'est ce livre-là qui va nous permettre de le faire. Pourquoi? Car ce livre propose 30 leçons, 30 assises à faire pendant le Ramadan, c'est-à-dire une leçon par jour. Et donc ça va être l'occasion de se réunir en famille une fois par jour afin de faire un petit rappel tel que présenté dans ce livre, à savoir donc à travers ces 30 leçons proposées par le Cheikh Al-Othaymine pour redécouvrir ou pour se rappeler le mérite du jeûne du mois de Ramadan, les règles du jeûne, le mérite de la prière nocturne, ses règles, le mérite de la zakat al-fitr, ses règles, mais également avoir des exhortations pour se motiver aux bonnes actions, à savoir le mérite de nourrir un jeûneur, à savoir les différentes catégories de jeûneurs pendant le mois de Ramadan, également se rappeler notre histoire avec les événements importants qui ont eu lieu pendant ce mois, comme la bataille de Badr par exemple, également se motivé à fournir beaucoup d'efforts avec le mérite des 10 dernières nuits, avec le rappel donc de la récompense qu'il y a dans le paradis pour ceux qui ont fait le bien, la mise en garde de désobéir et la gravité du fait d'être jeté en enfer avec un rappel sur donc l'enfer et ses supplices. Donc c'est vraiment un livre complet qui nous propose 30 leçons et donc ça va nous permettre, en même temps que nous apprenons notre religion et nous cheminons donc grâce à ce livre vers Allah, nous allons également pouvoir nous réunir en famille et parler donc de religion tous ensemble. Ce qui est vraiment en soi quelque chose d'énorme, puisque les familles qui sont généralement, le père travaille par exemple, chacun est occupé de son côté, là c'est le moment de s'asseoir 5 minutes, de lire un bon rappel sur ce sujet aussi important qui est le sujet donc du Ramadan et de ses règles, afin donc de passer un excellent mois. Je vais vous présenter rapidement le sommaire pour que vous ayez une idée donc, de ce qui est proposé à l'intérieur donc, de ce livre. Et vous allez pouvoir découvrir donc la richesse de ce livre et surtout l'intérêt. Voilà donc la table des matières. Vous pouvez donc découvrir sur cette table des matières les 27 premières leçons. Et dans la dernière page, donc les 3 dernières leçons, voilà qui restent. Donc un livre complet, indispensable pour un bon mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.